C'était l'effondrement ce vendredi 30 juin du côté des fans de Mylène Farmer. Après les nombreuses émeutes qui ont frappé le pays à la suite de la mort du jeune Naël, les autorités ont décidé d'annuler les deux concerts de Mylène Farmer qui avaient lieu au Stade de France. Un choc pour son public qui l'attendait de pied ferme. Mais Thierry Suc, le manager de la star, a affirmé lors d'une interview pour France Info que les deux dates seraient reportées les 27 septembre et 28 septembre 2024. Cependant, il avoue que ce report imprévu a été un véritable casse-tête et a coûté un énorme budget. Arriver à remettre tout ça sur un agenda, entre la Coupe du monde de rugby qui va commencer le 27 août et les Jeux olympiques et paralympiques, il n'y avait aucun concert programmable avant les nôtres. Heureusement, nous avons le système des assurances, mais malheureusement je ne sais pas combien aujourd'hui, ce sont des discussions entre les assureurs et nous. Mais évidemment c'est beaucoup d'argent. Il y a 270 personnes sur ce spectacle. C'est comme un énorme navire à manœuvrer. On ne change pas une chanson et une mise en scène aussi simplement. Ce n'est pas si facile, mais le temps nous le dira, on verra. Et pour remercier les fans déçus, l'équipe de la star a même rajouté une troisième date programmée le 1er octobre 2024. Elle n'était pas du tout dans les cartons. L'itinéraire de la tournée était défini, nous avons un temps de montage dans chaque ville qui ne nous permet pas de rajouter des dates, mais la Mylène avait vraiment envie de prolonger. Il faut réunir tous les artistes, tous les techniciens, tous les gens qui l'entourent et se dire que dans 14 mois il faut répéter. De plus, il a confié comment Mylène et son équipe avaient appris l'annulation du concert, à la dernière minute. Lorsque vous êtes en route pour partir au stade, que vous vous préparez tel un sportif à affronter la scène, avec ce public qui est là, et tout à coup, il faut faire demi-tour, c'est un moment très difficile. C'est un choc la veille au soir et le matin même, tout était confirmé. On l'a vraiment appris à 15h15, ça a été une sidération arriver à remettre tout ça sur un agenda. Entre la Coupe du monde de rugby qui va commencer le 27 août et les Jeux olympiques et paralympiques, il n'y avait aucun concert programmable avant les nôtres. Dernière bonne nouvelle, Thierry Suc a confirmé la sortie en CD et DVD de la tournée Nevermore ainsi que la diffusion au cinéma en fin 2024.